Ouais. Ils ont placé tout ça. Parce que moi je faisais la bouffe. Ils ont placé tout ça. Donc ça y est. Ça c'est la planche sur laquelle va reposer le lit. Là-dedans on a un coffre. Là on a un coffre. D'ailleurs toujours les emplacements pour la cuisine. Ici c'est notre système de pompe à eau pour l'évier. Manuel, effectivement, oui, parce que c'est bien aussi, ça va nous faire prendre des bras. Il va falloir pomper. Manuel. Et donc là, bah, ils ont placé ça pour que ce soit tout joli, tout ça. Et puis derrière, il va falloir mesurer et dessiner tous les trous pour les coffres, pour faire toutes les petites portières, les petits trucs comme ça. Et après ça, bah putain, c'est bon quoi. Enfin, il manque le reste de la cuisine, mais derrière, on peut... déjà y foutre un matelas et être bien dedans quoi. Par contre faudra se garer à l'ombre quand même, hein. Ça dépend de l'isolation, hein. Faudra se garer à l'ombre, hein, parce que, en plein cagnard comme ça là toute la journée il fait chaud, hein. Regardez ça là. Après il me dit je suis pas rouge. Non, 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 non. Au pire je remettrai un coup d'étalon pour qu'il le voit bien comme il faut. Donc voilà, on est dimanche, on s'était dit initialement qu'on allait finir aujourd'hui, sauf que bah évidemment comme on est deux branquignoles qui savent pas se servir des outils, et puis très honnêtement on n'avait pas du tout tous les outils qu'il nous fallait pour faire les choses proprement, si on n'a pas le camion de Andy en gros c'est dur d'avancer, donc il faut essayer d'en finir un maximum aujourd'hui, moi je vais m'occuper... de tout ce qui est esthétique, donc on a acheté du lino, voilà. Moi je suis très content parce que j'ai fait mon évier aussi ce matin. Mais en gros, voilà, il vaut mieux que je reste loin de la grosse manœuvre, des mesures précises et des coupes précises parce que. Ça me prend moins de temps à faire que si c'est Ben qui le fait, mais le truc c'est qu'il faut le faire deux fois si c'est moi qui le fais. Ben prend plus de temps, mais au moins, généralement, en une fois, c'est propre, c'est bien fait, quoi. Alors que moi, faut toujours mettre un petit coup de raboteuse. Ça va plus vite, mais bon, c'est chiant parce qu'il faut s'y reprendre plusieurs fois, quoi. Et voilà, quelque chose à ajouter ? J'ai chaud. Ouais, non, là, c'est le soleil cogne aujourd'hui. Est-ce qu'on a ingurgité hier, plus aujourd'hui ? Ah oui, bah oui, évidemment, hier, petit festival de musique, hein. On n'a pas encore regardé ce que ça a donné à la GoPro et... Sacrée gueule de bois quoi. Putain de gueule de bois ce matin donc. Ouais, je sue du rhum. Gueule de bois et travailler au soleil, c'est pas de bon. Ouais, non, voilà quoi. C'est mal. Ah, c'est bon, on retournera un petit peu plus tard. Je vais être matinal. Fin de la journée 796. Quoi, ça y ressemble. Bon. Il reste quelques vis à mettre. Quelques butées aussi. On va faire ça demain, là on va aider à ranger. Et comme ça demain pendant qu'Andy est au boulot on peut faire ça. Et demain soir, normalement tout ça devrait être mis et on devrait pouvoir avancer demain après-midi sur la cuisine. Ce serait vachement cool. Donc en fait le système c'est exactement le même que pour ça en fait. Voilà. Ça c'est la première partie de la table, évidemment j'arrive pas à le remettre parce que je suis un teubé. Là des rangements. Le même ici, là, ici. C'est vrai que comparé à tout ce qu'on a vu, où c'était simplement, on va dire... une planche de merde soutenue par quelques pieds avec le lit complètement tordu et tout. Là, c'est genre ça va durer à vie en fait. Ça va vraiment durer à vie. Y a rien qui bouge quoi. Tu fais bouger toute la bagnole sinon. On a fait un boulot de dingue. Enfin. Ce qui serait con, c'est qu'on arrive et que. Le truc il casse quoi, le camion il casse. Même pas le camion, c'est genre le woof, tu sais, ils nous disent non, il est plus aux normes, le truc vous pouvez pas rouler avec. C'est un truc de fou, mais enfin bref. Moi je suis très content. Ah de filmer ça, gros. Et ça a vraiment de la gueule quoi. Bon, allez, je me fais engueuler, je vais ranger.